amis, je pense que vous me voyez. Alors, attendez, voilà, je fais un petit réglage. J'attends que vous arriviez. Coucou les amis. Coucou, coucou. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Alors, un petit pouce. Coucou. Y a-t-il du monde? Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors, ça y est, alors attendez, je vais. Bonjour Valérie, coucou Bertrand. Coucou Valou. Cyril, on fait un petit live qui n'est pas trop prévu. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou en direct. Un petit direct coucou. Tigrou, Noël, ah, vous venez vite. À chaque fois, ça m'impressionne. Hein. Je suis derrière l'écran, là, je. Voilà, coucou. Coucou à tous. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'on va parler. J'ai rien préparé. J'ai rien. Voilà, j'ai dit, on y va comme ça sur le vif du sujet, le tas. Je sais, voilà, j'ai rien préparé, hein, déjà 130. Voilà, coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Tout est parfait. Est-ce que. Voilà, attendez, est-ce que là, je règle encore un petit peu. Voilà, je ne suis pas très. C'est pas au point mon truc. Hein. Voilà. Coucou à tous, Diane, j'ai sûrement raté plein de prénoms, hein, Jocelyne, Michel. Voilà. Ça monte, ça grimpe un petit peu. Voilà, coucou les amis. On va faire un petit discours. Moi, je vais vous donner un petit peu mes ressentis du moment qui sont. Ben, c'est pénible, quoi. C'est lourd. À la fois, c'est lourd et à la fois, j'ai envie de vous dire, c'est génial parce qu'on passe vraiment à autre chose. Hein. On peut voir que là, tout s'écroule. Hein. De toute façon, l'alliance part des États-Unis, hein, on le sait, avec le gouvernement Trump. Et on voit que tout s'écroule. Hein. On voit que là, tout va être mis à jour. Tout va être, comment dirais-je, tout est là, c'est en train de se faire. Il y a tellement de choses qui se font et qu'on ne voit pas, hein, qu'on ne peut pas voir encore. Qu'on ne peut pas. Voilà, mais c'est là, hein, c'est là, je vous rassure vraiment. Parce que moi, je suis comme vous, je me dis, bon, comment ça va se terminer? Comment est-ce qu'on va encore manger? Est-ce qu'on va avoir un toit? Est-ce qu'on va. Comment ça va. Non, mais on est tous dans la même inquiétude, il n'y a pas de. Là-dessus, il n'y a pas de. Comment dirais-je? Je pense que la personne qui n'est pas inquiète en ce moment. Ben, doit pas être au courant de grand-chose, hein, parce que là, on est vraiment sur le, voilà, sur le entre deux chaises, et puis on a peur que tout s'écroule, quoi. Vraiment, hein, alors si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, parce que je vais répondre à vos questions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, on va dire que c'est, comment dire, c'est très inconfortable. Voilà, c'est pas du tout confortable. Alors déjà, il y a un moment que ça ne l'était pas, mais là, ça l'est encore moins. Et moi, je vous rassure, là, on me dit, je me connecte, on me dit, restez calme, restez tranquille, il n'y a rien qui arrivera. Alors, je sais qu'il y a des tas de gens qui vous font peur. Effectivement, il y a l'économie, tout ça va s'écrouler, mais la vie continue, hein. Et il va y avoir des choses pour remplacer l'économie française. Voilà, il y a un plan derrière tout ça. Il y a un superbe plan, on me dit. Mais moi, je suis toujours persuadée qu'on va passer directement à quelque chose de lumineux, quoi. Moi, je vois pas. Alors, il y en a qui annoncent des catastrophes, encore 1 an, 2 ans. Moi, honnêtement, bon, ça peut continuer un peu comme c'est là.
Et encore, je suis pas sûre, parce que là, une fois que au niveau des élections, tout va s'écrouler, tout va être. Là, on regarde bien la télévision, commence à dire sur les picous que c'est pas très bon, qu'ils commencent à annoncer des choses tout doucement. Et je pense que voilà, ça va venir. Ça vient tout doux comme ça. Alors, peut-être qu'il va y avoir des révélations, ça c'est sûr. Mais en attendant, s'il n'y en a pas, les choses vont être apportées tout doucement comme ça pour les gens, hein. Donc, n'ayez pas de. Voilà. Alors, surtout, ce que je vous demanderai à travers cette vidéo, c'est de faire des méditations, de faire beaucoup de prières, d'allumer des bougies blanches. Moi, tous les jours, là, j'en ai trois qui brûlent encore derrière. Tous les jours, je brûle trois petites bougies blanches ou j'achète des gros cierges blancs que vous magnétisez, vous touchez, vous mettez beaucoup d'intention sur la bougie. C'est quelque chose qui marche. Et ça, faites brûler ça tous les jours. Mettez des intentions. Voilà, c'est très important. Tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. Bonjour à tous les amis. Hein. Je ne faisais pas. J'ai commencé à pipeletter. Alors, nous sommes déjà 296. Donc, j'insiste vraiment. Sur les bougies blanches, les méditations, les prières. Alors moi, je suis pas trop pour les prières de groupe. C'est pas moi qui vais faire innover ça, pour la bonne raison que moi, les groupes, je me méfie, quoi. Hein. Voilà. Mais ça, c'est que mon avis. Voilà. Si vous participez à des groupes de prières, allez-y. C'est vous qui sentez, c'est vous qui savez. Voilà. J'ai pas à vous dire faites ci, faites ça. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Alors le volcan aux Canaries. Alors il y a un volcan qui bouge. On me dit que les volcans, ils bougent, mais ce n'est pas forcément la Terre. Hein. On me redit, ça bouge encore sous le sol, hein, mais ce n'est pas forcément que quelquefois c'est souvent voulu. Les tremblements de terre, les volcans, moi pour moi, de toute façon tout ça on saura après, tous les bouleversements de la planète, que ce soit les ouragans, les raz-de-marée, tout ça c'est provoqué. C'est provoqué par la lumière inversée. Alors, peut-être que je me trompe, j'espère, peut-être, mais ou j'espère pas, je sais pas, je suis jamais, voilà, on n'est jamais sûr de rien, mais pour moi, tout est provoqué pour. Donc là, comme il y a encore une furie, voilà, ils vont aller jusqu'au bout pour gagner, pour avoir la chose la plus. Ils sont toujours dans le combat, donc. Voilà, merci pour les cœurs, Mélissa. Merci, merci pour les. Oh, c'est mignon. C'est le TED, ben, je ne sais pas, Tigrou. Philippe, c'est le TED, je sais pas ce que vous écrivez. Bonsoir, tout, voilà. Fin du pass pour bientôt, ça c'est certain. On va vite. Et là, à la fin du pass, on va vite passer à autre chose, hein, parce que là, les gens sont éveillés. Et les gens, vous pouvez voir là le monde qu'il y a tous les samedis. Coucou à tous encore. Hein, bon, coucou Belfort, Mélissa. C'est pas loin de chez moi, ça. Voilà, donc après le pass, vraiment, je vois pas ça que ça se traîne en longueur, moi. Alors, surtout, vous savez qu'on est des créateurs. Alors, je vais vous dire un truc. Créez votre réalité. Hein. Alors, n'écoutez pas les choses, et non, ça va durer encore 1 an, 2 ans. Dites, ça y est, c'est terminé. Créez ce que vous voulez là en ce moment. C'est hyper important. On est des créateurs. Hein. Il y a très longtemps qu'on vous le dit. On crée notre réalité. Donc, on ne crée pas que ça arrive dans 2 ans, dans 3 ans. Non, on crée que c'est terminé tout de suite. Si vraiment vous alignez à cette réalité de dire. Voilà, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Voilà, on apporte notre réalité. Voilà, et on vit dans un monde, voilà, comme vous avez envie, comme moi j'ai envie, c'est-à-dire un monde équitable, un monde juste, et puis un monde d'une autre. Comment qu'on passe à d'autres dimensions, hein. Alors, j'ai pu étudier, étudier, c'est bien un grand mot, j'ai étudié, parce que c'est vrai que des fois, quand je vais là-haut, j'étudie, je regarde, et voilà. Et en fait, avec une amie, voilà, on a fait des choses, hein, et en fait, il semblerait qu'il y ait du retard, parce qu'on n'arrive pas à passer une ligne de temps, voilà. Donc, imaginez, les lignes de temps, elles sont
Elles sont les unes sur les autres, hein. Il y en a des millions, même il y a des chiffres, il n'y a même pas de chiffres, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que là, il se passe qu'on n'arrive pas à se glisser dans une ligne de temps, celle qu'il faut. Voilà, donc ça, je vais essayer, moi, de mon côté, de passer dans cette ligne de temps, de faire passer, voilà, je vais essayer de faire des choses. Moi, je fais des essais en même temps, hein, toujours depuis le début. Voilà, je fais toujours, j'expérimente, comme on peut dire, les choses. Moi, je fais jamais du copier-coller. On va dire que je fais ça toute seule, autodidacte, et je m'occupe pas de personne. Donc là, voilà, il y a un problème de ligne de temps. Et il faut la passer, cette ligne de temps, en sachant qu'on ne va pas passer dans la 5D directement, comme ça on ne va pas s'éthériser, on ne va pas se quitter notre corps. Non, je vous ai toujours dit qu'il y avait un apprentissage avant et qu'on n'allait pas tout seul. Voilà. On va pas s'épurer, on ne va pas passer à la 5D tout de suite. Bon, effectivement, moi, je peux dire, essayer de dire que je passe dans d'autres dimensions avec ce que je fais. Mais au niveau physique, on est encore là, et voilà. Et je vous ai toujours dit que on ne passerait pas dans les autres dimensions, même celui qui est déjà dans d'autres dimensions, qui va sur d'autres plans, soi-disant, j'entends ça des fois. Voilà, ça ne va pas se passer comme ça pour moi. Hein, il y a un apprentissage, il y a quelque chose. C'est comme j'ai toujours pris l'exemple, quand un bébé arrive au monde, hein, ben on le fait grandir, la maman lui donne à boire, lui fait sa toilette. Enfin, voilà, il y a toute une éducation, il y a tout un quelque chose pour que le bébé puisse marcher tout seul, manger tout seul. Et ben là, c'est pareil. Hein, on va pas. Ça, c'est quelque chose, je suis sûre de moi. Quand j'avance ça. Donc, on crée notre nouvelle réalité, les amis. On crée, on crée ce que vous voulez vivre, hein, la libération planétaire, l'amour, l'équilibre. Voilà. Mais moi, à mon avis, ça va. C'est bizarre, hein, ça fait très longtemps que je vous dis ça. Pour moi, ça tranche d'un coup, la claque. On va pas comprendre et on va passer dans une autre réalité. Voilà, et ça, il faut absolument l'intégrer, il faut vraiment le créer de votre côté, hein, chacun de nous. Voilà, mais ce n'est pas le cas sur Internet quand je vois tout ce qui est dit. Alors, je ne critique pas encore parce que chacun est libre, hein, de dire ce qu'il dit, mais faites attention. Hein. Alors, on pense à mettre des petits pouces, on pense à s'abonner, on pense à partager mes vidéos, on partage, voilà, hein, ça serait bien de les partager. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... J'y tiens, beaucoup, beaucoup. Partagez, abonnez-vous et likez, surtout les petits pouces. Alors, malgré que ça soit un peu compromis, tout ça, par divin, hein, on sait très bien, je ne vais pas le dire là. C'est pas toujours ce qu'on espère. De toute façon, on saura tout ça après, tout ce qui a été... même sur YouTube, sur tous les mensonges, tout ce qui a été vrai, pas vrai. Tout ça, ça va être divulgué, hein, tout va être... On va sortir de tout ça, quoi, de ce mensonge. On vit en fait dans un monde, c'est ce qu'on me dit, de mensonges, comment dirais-je, c'est vraiment de la trahison pure, quoi. On est trahi. Je ne comprends pas qu'on puisse trahir quelque chose. Moi, déjà, trahir quelqu'un, voilà, c'est déjà difficile de... Enfin, pour moi, hein, ça, bon, je ne suis pas parfaite, hein, mais... voilà, je suis loin d'être parfaite, mais la trahison et le mensonge, je ne suis pas une menteuse, ça c'est sûr, je ne mens pas, mais là on vit dans un monde qui est complètement, je vous l'ai toujours dit, illusoire, c'est vraiment, on est dans un film, hein. je rigole toute seule, parce que franchement, quand je vois, ils me font voir, l'autre réalité, mais même dans la 3D, parce qu'il y a des planètes qui vivent dans la 3D, et tout se passe très bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses comme nous, on vit là en ce moment, quoi. Hein, c'est... Nous, on a la totale, hein. On était courageux de venir sur Terre. Hein. Alors, bonsoir. Je regarde un petit peu vos questions. N'écoute plus la télé, m'informe plus de moi. Ouais. Vous informez plus. Alors, je regarde, hein, j'ai hâte, surtout pour les enfants. Mais n'ayez pas peur pour le... François travaille dans une école, il n'y a aucune obligation. Là, il m'a fait voir le... Il n'y a aucune...
Il n'y a rien hein, sur les picouzes, ça a été encore. Méfiez-vous des bruits de couloir, des trucs. Il y a des choses qui sont dites pour vous faire peur, faites attention. Mais ça prend, hein, la preuve, c'est que là, on parle encore des écoles et des enfants. Donc sachez qu'il n'y aura pas de. Voilà, c'est pas. Françoise a bien vu le courrier qu'elle a reçu de l'académie, et il n'y aura pas de picouzes pour les enfants. Sans autorisation, bien évidemment. Hein. Mais de toute façon, sachant que ça, tout ça, ça se termine au mois d'octobre, hein, le pass sanitaire et tout. Moi, je vous dis, dès que c'est parti, je suis invitée en Espagne, dans le sud de l'Espagne, chez Daniel. J'arrive, Daniel, hein, tu vas rigoler derrière la vidéo, mais je viens chez toi, chez ta copine, ta femme, pardon, et j'arrive, hein, je viens. Hein. C'est sûr que je ne sais pas si je prends encore l'avion ou le bus. Hein. Ou le train, je ne sais pas trop, mais je viens, parce que là, j'ai besoin de... Voilà, et vous êtes adorables, c'est ça qu'en même temps que je parle de Daniel, je voulais remercier tous les gens qui sont adorables avec moi. Vous êtes vraiment... j'ai pas de mots pour vous dire merci pour tous les compliments que vous me faites, pour tout l'amour que vous me donnez. Moi, je n'ai jamais été autant aimée que là, avec les vidéos. Hein. Je vous assure, je reçois mais plein de belles choses. Hein. Alors, je suis encore désolée, c'est souvent je ne vous réponds pas sur les messages, les messengers, parce que je suis envahie et souvent j'oublie de répondre. Alors, ne m'en voulez pas parce que ce n'est pas trop mon truc. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et j'ai de plus en plus de monde hein, et je n'ai personne pour traiter mon courrier. Hein, donc, voilà. Donc, ne m'en voulez pas surtout. Hein, mais par contre, je lis tous vos beaux messages. Je lis tout et je regarde tout et je vous remercie aussi pour tous les dons que vous me donnez, c'est très gentil, même si c'est pareil, je vous ai pas souvent je vous remercie pas assez pour ce que vous me donnez, pour les cadeaux que je reçois aussi. Il y a une personne qui m'a offert un, je ne dis pas ton nom, mais qui m'a offert un téléphone, un portable, un Apple. Merci encore parce que là il me sert, vous voyez, pour l'enregistrement, un truc que je n'aurais jamais acheté parce que c'est, je trouve ça hors de prix pour moi. Mais voilà, j'ai un super beau téléphone. Merci encore pour toi et merci pour tous les cadeaux. Hein, vraiment, c'est très important là. Et donc tout ça pour, je sais plus sur quoi j'étais partie. Oui, alors donc on dit que le pass sanitaire là au mois d'octobre, Sylvano l'avait dit. Je pense qu'avant octobre, ça va être terminé. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, là, qui se passent là en ce moment. Moi, on dit toujours un octobre rouge, ça m'énerve quand j'entends ça, parce que c'est... on met octobre blanc, on met de la lumière, on met de l'amour, les mots. Alors, si on dit octobre rouge, on va avoir un octobre en sang, quoi. Enfin, il faut arrêter aussi avec les mots. J'ai déjà dit les mots, le problème, c'est que je ne peux pas... dire à tous les intervenants, les gens qui font des vidéos, faites attention à vos mots. Quand vous dites les mots, ça multiplie l'énergie, le truc. Il faut absolument arrêter avec les mots, de dire des mots négatifs, parce que vous envoyez ça et pouf, ça, tout de suite, ça envoie l'énergie, quoi, l'énergie. Hein. Donc ça, c'est très important. Tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est peut-être que je vous radote, mais en tous les cas, je sais que voilà, tout ce qui est... tout ça, c'est vrai, et je le vis tous les jours. Hein. Donc, voilà. Beaucoup de choses vont venir après, hein, les lits médicaux, les lits médicaux, il y a les nouveaux traitements. Alors, ils me font voir, là, il y a des soins, mais on ne va pas en revenir. On va se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive hein? Mais voilà, tout ça, on va avoir des nouveaux médicaments. Ce n'est même pas des médicaments qu'ils appellent. Hein? C'est des produits pour nous remettre en forme. Voilà, il n'y a pas de maladie. Je vous ai toujours dit, ça n'existe pas. La maladie, on nous l'a imposée presque. Mais il n'y a pas de malade. Personne n'est malade. Vous n'êtes pas malade. Hein, ça vient de l'extérieur de votre corps, hein, les maladies. On le sait bien, ça vient des plans subtils. Hein, voilà. Et aussi, on alimente, vous savez très bien, vos pensées. On alimente vos pensées. C'est pour ça, dès que vous sentez que votre pensée elle déraille hein, et que vous allez sur un truc où vous n'êtes pas bien et tout, revenez à du positif, revenez à vous. Parce que souvent, quand vous avez des mauvaises pensées, vous êtes déprimé,
c'est que voilà, mais on est en train de s'éteindre tout ça, mais on me dit que c'est encore là, on me dit que c'est encore là. Donc voilà, faites attention à vos, c'est vous qui gérez votre pensée, on vous le, voilà. Et si vous êtes en conscience avec ce que vous pensez, il est très important de vraiment mettre ça en conscience là, hein, tout le temps, à chaque fois. Alors ça demande de l'énergie, ça demande au début de se dire ouais, je contrôle ma pensée, je fais attention, voilà, et tout va bien. Voilà, moi aussi il y a quelques jours j'allais encore pas bien, ça m'arrive parce qu'en plus moi j'avais tendance à être dépressive, hein, donc à pas être bien, donc bah, hop, j'ai transmis, j'ai dit non, ça va Katia, ça va. Tu vas bien, voilà, voilà, tout va bien, voilà, tout va bien. Et vraiment, mais par contre, ça demande à faire attention, à observer sa façon d'être, hein, voilà. Alors, on est 532, coucou les amis. Donc, c'était une petite surprise, je ne vous ai pas prévenu parce que je ne savais pas si j'allais faire un live, j'en ai parlé depuis ce matin, mais je ne savais pas si, voilà, c'est un peu au dernier moment. Et puis, j'aime bien vous faire des surprises, hein, donc voilà. Alors, oui, en ce moment, pas très bien, je me motive, Paulette. Hein. Ouais, Paulette, bah, il faut activer ta conscience, hein. Emmène-moi avec toi en Espagne, si tu savais qu'il... Bah, je ferai des vidéos là-bas, et je ferai de la pub, parce que Danielle, elle a un restaurant avec sa femme. Elles ont un restaurant toutes les deux et voilà, je ferai de la pub pour l'endroit parce que c'est sympa. Hein. Je peux vous dire que voilà, c'est vrai que je suis invitée dans beaucoup d'endroits, mais là j'ai dit oui tout de suite. j'ai dit oui, j'y vais. Donc je ferai des vidéos là-bas et au soleil et je vais y aller là. Parce que comme c'est dans le sud, il fait toujours beau hein, dans le sud de l'Espagne. C'est comme le Maroc. Hein. Voilà, heureuse de vous voir, belle âme Katia. Merci. Merci à tous. Merci. Alors, j'aimerais retrouver ma santé, ma force. Liliane, bah, il faut te dépasser. Il faut, je ne sais pas, tu as peut-être des problèmes de santé. Oui, ah oui, bon, je suis en train de voir, c'est assez important. Il faut que tu tiennes bon. Hein. Voilà, il faut tenir bon si vous avez des problèmes de santé, si vous n'allez pas bien. Moi aussi j'ai des soucis de santé, mais bon, je tiens bon, j'essaie d'être au taquet, quoi. Hein, je me laisse pas aller, je me rester dans l'action, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Partagez-la parce qu'elle est vraiment dans l'actualité, celle que je vous ai faite il y a pas longtemps. Il faut vraiment être dans l'action. Plus vous serez dans l'action, moins vous penserez aux choses. Ah, ça c'est véridique. Hein. Alors. Alors, coucou Masco, ah, mon Masco qui est là, coucou, moi qui est sur Discord, on a un super Discord, alors c'est ça que je voulais dire, j'ai encore des gens qui me disent on n'y arrive pas, alors justement Masco vous a fait une vidéo de Discord qui est tout expliqué, faites-vous aider, je ne peux pas vous aider, il y en a qui me téléphonent sur Discord, je ne peux pas vous répondre. Je peux pas. On est encore en 3D. Je suis pas dans la 5D. Faire clac et vous venez sur Discord. Dans la vidéo de Masco, il vous explique tout comment il faut faire pour venir, pour vous inscrire sur un Discord et pour venir sur le mien. Hein. Il y a tous les liens sous cette vidéo là. Mais je peux pas faire mieux. Je peux pas. Hein. Et on est un petit groupe dans le vocal tous les soirs. Voilà, c'est sympa. Et puis, vous avez l'occasion de discuter avec moi. On est bien. Comme dit Antoine, on est bien. Bien, bien, bien. Alors, à ce moment... alors, ça va tellement vite. Je regarde si vous avez... Les énergies sont lourdes. Oui, elles sont lourdes. Hein. Parce qu'en plus, nous, quand notre corps est transmute, nos cellules de nos corps... Elles sont en train de muter, on va dire ça comme ça. On est peut-être des mutants en ce moment, on mute non, sur quelque chose. C'est pour ça qu'on a l'impression de porter des kilos sur nous. On a cette lourdeur, cette apesanteur-là. Et un jour, justement, on se lèvera un beau matin, je le dis toujours, et on sera beaucoup plus léger.
On se dira, ouais, qu'est-ce qui nous arrive? Et ça, j'y crois. Tout en continuant à passer l'aspirateur, à faire les choses qu'on a à faire. C'est ça qui est magique. C'est que ce passage, il se fera en même temps qu'on est encore dans notre dimension. Et il se fera tout doucement, tranquillement. On va s'en apercevoir parce qu'on sera mieux. Mais vous verrez que ça ne va pas être du jour au lendemain, on va passer dans la 5D. Le passage, il va être formidable pour ça. Vraiment, hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors, quand vous entendez des gens qui vous disent « il va y avoir ci, encore ça, des inondations, il y en a, c'est sûr. » Mais on met nos pensées. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être dans l'eau, là, qui ont des problèmes, qui vont dire « ouais, mais Katia, positiver, même si vous avez des problèmes. Moi, c'est ce que je faisais toujours quand j'avais des gros soucis. Et Dieu sait si j'en ai eu. Positiver toujours sur ce que vous avez, même si vous avez votre maison est remplie d'eau. Voilà, on met beaucoup de lumière sur tout ça. Si tout le monde faisait ça en même temps, je peux vous dire que on serait vite dans une autre dimension. Hein. Mais là, c'est encore, il y a encore du travailler votre mental, travailler vos pensées, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça, votre guérison. Ça sera ça. Ça sera votre pensée. Comment on construit le monde de demain? C'est vous aussi qui le construisez. Parce qu'on a nos amis qui nous aident, mais ce n'est pas eux qui vont tout nous faire. Hein, ils ne viennent pas prendre nos douches le matin, ils ne viennent pas nous donner à manger le midi, ben, et le soir, et le truc. Il faut qu'on se débrouille pour faire les courses, pour faire à manger, pour avoir... voilà. En ce moment, voilà, c'est ce qui se passe. Hein. Donc là, il faut vraiment... plus vous allez monter en énergie, en vibration, mieux ça sera. Hein? Voilà. Alors, je regarde. S'il y a d'autres questions. Alors, attendez, parce que là, je suis avec mon ordi en même temps, hein, parce que j'arrive pas. Parce que comme là, le portable, en fait, toutes les questions et des fils, elles restent pas. Hein, donc, on les voit au fur et à mesure. On entend beaucoup de moins. On entend beaucoup de témoignages en ce moment. Bah oui. On entend beaucoup de... Bah oui, ça commence à sortir. Hein. On enlève des mots. On dit picouse. Hein. Faites attention à ce que vous écrivez. Mais je pense qu'il n'y a plus aucun beaucoup de danger. Mais faites attention à ce que vous écrivez. Là, je vais enlever d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai mes modérateurs. Je ne sais pas... je ne les ai pas appelés. J'ai pas... Donc, je pense que là, j'en ai pas, mais j'ai pas mes modérateurs, donc je sais pas, voilà, je sais pas, j'ai pas prévenu, donc voilà. Alors, voilà, j'enlève les. Faites attention à ce que vous écrivez, s'il vous plaît. Non, mais moi, je peux avoir des problèmes à cause de ça. Hein? Faites attention à ce que vous écrivez. Hein? Je tiens ma chaîne. J'ai pas envie d'être bloquée. Voilà. Puis-je trouver ma voix? Alors là, Angelina, je fais pas les questions personnelles. Hein? Je vais faire une vidéo là. C'est pour quand les lits médicaux, ils sont là. Ils sont là, donc il faut qu'on change d'énergie, hein, faut qu'on change de, comment dirais-je, il faut qu'on change de gens qui nous dirigent, hein, voilà, qu'on nous passe dans la lumière, pour avoir on va avoir les énergies libres, hein, ce qui veut dire plus payer de gaz, plus d'électricité, on va plus payer nos portables. Enfin, de toute façon, l'argent, ça va être... ça, je vous l'ai déjà dit, les gens, ils vont être contents au début parce qu'ils vont en avoir, mais ça donnera plus rien, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas une énergie qu'on va garder, hein. Je vous préviens, il y a beaucoup de gens encore qui me disent « oui, mon argent, mes trucs... » prenez du recul par rapport à l'argent, c'est de la 3D. L'argent, c'est de la lumière inversée. On est bien d'accord. Alors, on en a besoin pour vivre. Moi, la première, j'ai besoin d'acheter le coiffeur, mes petites fringues, mes trucs. Voilà, bah, oui, c'est ce qu'il faut pour vivre. Mais voilà, détachez-vous de ce côté matériel. Si vous avez tiens, si je regarde, je suis à 666 là tout de suite. Hein, c'est excellent. J'arrête pas d'être sur des chiffres en miroir. Oui, alors donc je disais, ne vous attachez pas à l'argent, hein, parce que c'est quelque chose qui va sauter comme le reste.
Ce n'est pas une énergie. Bon, il y a des gens qui disent oui, c'est une énergie, l'argent, c'est une énergie. Ben oui, avec ça, les arroge bien. Bon, moi, je dis que, voilà, un monde sans argent, il y aura beaucoup plus d'amour et d'échanges. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y aura pas de différence. On ne va pas cataloguer des gens. Toi, tu es riche, toi, tu es pauvre, gna, machin, truc. Alors, moi, ça, c'est un truc. Waouh, wow, je n'ai jamais compris ce monde par rapport à ça, quoi. Voilà, alors. Alors, oui, le barrage des Trois Gorges en Chine va-t-il s'effondrer bientôt? Je sais pas, on me dit que. Pff, oui, c'est sûr qu'il va s'effondrer. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, ce barrage, oui, c'est comme le reste. Je pense que tout va être d'un seul coup, c'est ce qu'on me dit, tout va être d'un coup. Oui, 666, chiffre de la bête. Oh ouais, mais enfin bon. Moi, c'est toujours des signes quand j'ai des chiffres qui s'alignent comme ça. C'est toujours. Des chiffres miroirs, j'adore, hein, vraiment, je ne m'occupe pas non plus du truc, quoi, de ce que ça veut signifier, hein. Mais effectivement, ce n'est pas un bon chiffre, hein, soi-disant. Alors, oui, c'est sûr que les lits médicaux, il va y avoir des soins. Alors, on me dit qu'on ne va pas sauver, ils ne vont pas sauver tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui vont être... voilà, ça, on va régénérer leur façon de penser. On va aussi, c'est des méthodes, je ne sais pas comment ils font, qui vont sur l'état de conscience. Et comme là, sur les enfants, quoi, parce qu'on n'entend pas parler des enfants qui ont été récupérés sous les tunnels, quand même. Hein. Et ça, ces enfants, je pense qu'ils passent dans des lits médicaux. Voilà, ils nous enlèvent. Ils ont la faculté d'enlever nos mauvaises pensées. Voilà, hein, c'est génial. Hein. Vous savez, si nous, moi, je me ferais nettoyer par des pensées, des choses que j'ai vécues, que j'ai plus envie d'avoir ça en conscience, et je le ferais enlever, quoi. Hein. Donc, ça va être génial, hein, vraiment. Hein, ça va être super, vraiment. Aussi, on pourra... on me le dit, on pourra changer de corps. Hein. Des personnes trop âgées qui ont des corps vraiment abîmés, ils pourront, ça s'est déjà fait, ça s'est toujours fait, on peut changer de corps, on peut changer de, voilà, on va avec notre corps énergétique, on va dans notre corps, voilà, et ça c'est très courant dans les mondes, voilà, les mondes, on va dire, qui sont beaucoup plus avancés que nous, hein. En fait, changement de corps, regardez, quand vous faites, pour les gens qui font des sorties de corps la nuit ou le jour, qui vont dans l'astral, ils sortent de leur corps, bon, ils ne vont pas dans un autre, mais il y en a qui l'ont déjà fait. Mais là, ça va se faire aussi. Hein. Voilà, pour diverses raisons, on veut changer de corps, parce que peut-être trop handicapé ou je ne sais pas comment. On me donne des exemples, là. Hein. Vraiment, c'est des choses qui sont là à notre portée et qui existent déjà et qui ont toujours existé. Hein? Et l'histoire qu'on nous fait voir, moi j'y crois pas du tout. Il y a plein de trucs, c'est vraiment de façon tout ce qu'on vit, le moindre truc, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Et de toute façon, j'ai toujours dit que j'ai cherché quelque chose de vrai dans ce qu'on vit et j'ai pas trouvé. Pourtant, je vous assure, j'ai cherché. Hein. Je me suis dit, allez, cherche, qu'il y a bien un truc qui est quand même qui. Eh ben non. Non, il n'y a rien qui est vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien de... Comment dire... Il n'y a pas un truc. Si, il y a quand même l'amour qu'on vit quand on aime quelqu'un, quand on aime ses enfants, mais c'est à des petites dimensions, quoi. Parce que l'amour dans les autres dimensions, les autres, c'est un état vibratoire, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on me fait voir. Hein. Je n'ai pas encore fait de l'astral, mes amis. C'est ce que j'ai envie aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie. Voilà, mais il faut que je me prépare. Il faut savoir le faire aussi. Je ne sais pas. Puis peut-être le faire avec des gens qui l'ont déjà fait. Je ne sais pas comment. Bon, j'ai demandé à l'univers. J'attends que quelqu'un vienne à moi pour... s'il y a quelqu'un qui fait des voyages astro là-dedans, qui m'écoute... Bah écoutez, communiquez-moi, hein, écrivez-moi sur ma boîte mail et voilà, je veux bien faire un petit voyage aussi, moi. Alors, je suis déjà sortie de mon corps plusieurs fois,
Je reviens parce que j'ai la trouille, hein, tout simplement. Je gère pas. Alors que c'est comme au début, quand je faisais des vidéos, j'avais une grosse trouille, puis maintenant ça va. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont dans l'astral comme ils prennent une douche. Hein. Voilà. Alors pour les soignants, je vois les points d'interrogation. Alors, ok, les soignants, oui, c'est vraiment c'est important ce qui leur arrive. Hein. Mais ça va aller, parce que de toute façon, tout ça, ça va se réajuster. Et il va y avoir après des. Ils vont rendre des comptes, hein, les administrations, les hôpitaux, les cliniques. Voilà, parce que de toute façon, c'est pas rien n'est. Il n'y a pas de loi, hein, sur ce qu'ils font. Donc voilà, moi, je m'inquiète pas. Après, j'ai envie de dire, les soignants là, qui m'écoutaient, je ne suis pas à votre place, certes, mais j'ai vécu assez de difficultés. Donc ça va, j'ai eu ma part. Mais je peux vous dire que tenez bon. Et puis, pareil, tout ce que je vous dis, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour mettez-vous ensemble. On sait bien qu'il y a tout ce qu'il faut là en ce moment. Vous voir quand même, regardez moi ce que je trouve magnifique dans tout ça. Bon, c'est vrai, il y a tout ce bordel. Mais regardez les groupes de gens qui se forment là. J'ai encore partagé là une petite infirmière qui a fait une vidéo là sur BK. Donc je partage beaucoup sur VK, très peu sur Facebook, hein, donc vous inquiétez pas, voilà, je vais presque plus sur, je partage mes vidéos, mais je fais attention, hein, à ce que je partage. Donc voilà, et la petite infirmière, elle a un discours, mais sans être vulgaire, mais elle parle haut et fort, et et voilà, elle dit ce qu'elle pense, quoi, et c'est vraiment bien. Alors. J'ai eu des rendez-vous dans l'astral. Mbala, Mbala. Alors. Nicolas. Je comprends pas, je suis bloquée sur VK, Katia. Nicolas, il faut que tu te fasses aider. Prends des gens qui sont compétents et bon, tu vas rouvrir un compte. Ou voilà, il y a toujours des solutions. Voilà, je peux pas mieux te dire. Oui, bien sûr que les religions me demandent si elles vont disparaître. Bon, pas d'un seul coup. Je pense que les gens vont garder ça, ce qu'ils ont en eux. De toute façon, ça se fera tout seul, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est voilà, si quelqu'un veut rester dans sa religion, il restera. Et puis après, le reste se fera tout seul, parce que de toute façon, comme on est dans quelque chose qui est pas voilà, qui est pas forcément vrai. Dans tout ce qu'on nous dit, mais même dans le spirituel, hein, moi j'entends plein de choses, il y a plein de choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses qui ont été dites dans des formations, tout ça. Prenez du recul, hein, mais quand ça marche, tant mieux, faites-le. C'est ce que je dis, quand ça marche, quand vous faites des formations où il y a des choses, qu'il y a du résultat, faites-le, hein, faites ce qui vous fait du bien, surtout. Faites ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est génial. Alors, ah, Carole, t'es là. Merci, ma Carole. Voilà. Excuse-moi, j'ai pas appelé mes modérateurs non plus, hein, mais bon. Alors, le retour de Donald Trump. Oui, bien sûr qu'il va revenir, mais pas comme président. C'est fini. Il n'y aura plus de gouvernement, de toute façon, c'est fini. Hein? On change de. Là, il faut vous habituer à ce qu'on vive, à un monde libre, hein, mais libre. Voilà, il n'y a plus rien qui nous attache à quoi que ce soit. Voilà. Hein? Alors, Jade, merci pour tous tes petits cœurs là. Hein? Waouh! Jade Marie, on est beaucoup, 892. Hein? Alors, ouais, tout ce qu'on a connu, ça sera plus. Tout ce qu'on a connu, ça sera plus d'actualité, quoi. Ne regardez pas, ne dites pas qu'est-ce qu'on va. On va vivre un monde libre. Hein. Donc, un monde libre, c'est. On n'a plus aucune obligation. Hein, d'accord? Et créez votre réalité, surtout créez-la. Créez cette réalité d'amour. Voilà, j'ai des frissons partout quand. Oh, ça m'envahit. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je vous assure, j'ai des frissons partout le dos. Créez votre réalité, créez votre amour, créez ce que vous avez envie. Ça, regardez-moi bien là, là, faites-le. Et quand ça ne va pas, remodulez votre mental, refonctionnez-le autrement. C'est comme quand vous changez de couleur de chemisier, c'est pareil. Votre mental, changez l'autre couleur. Hein? C'est vous qui gérez ça.
c'est pas personne d'autre, ok? Parce que ça, c'est encore... moi, je le sens, hein, des fois, on, c'est comme si on rentrait dans mon cerveau et qu'on voulait grappiller des trucs, là, machin. Mais oui, il y a encore ça, il y a encore ça, voilà. Bon, on est sur la fin, mais il y a encore des trucs. Donc, contrôlez bien votre pensée. Contrôlez, hein. Quelle bonne surprise, ouais. Merci pour tous les petits cœurs, là, j'ai plein de petits cœurs. Alors, attends, parce que là, hop, c'est bizarre, des fois, le chat, il est sur mon ordinateur, il reste bloqué, c'est bizarre, ouais. Coucou à tous, coucou. J'ai envie de tous vous serrer dans mes bras, là. Vous vous rendez compte, hein? Ça serait bien, hein? Mais je peux pas. Je ne peux pas vous voir, je peux pas vous embrasser pour l'instant, je peux pas. En tous les cas, je m'attendais pas à voir une chaîne avec autant de monde. Voilà, et de vous faire du bien surtout, parce que les retours à chaque fois, tu nous fais du bien, Katia, tu nous fais du bien. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix, vous voyez. Ça n'a pas d'argent, ça. C'est que je vous fais du bien. Voilà, c'est super, quoi. C'est super. Ouais. Alors, nous sommes 905, ouais. Alors, je prends un coup. La vôtre, hein. Bon, c'est de l'eau, hein. J'ai toujours à l'eau, moi. Alors, la fin de cette supercherie, c'est pour quand, selon moi? Ils sont en train de se faire, hein, toujours pareil. Si je pouvais vous montrer vraiment ce qui se passe quand ils me font voir, là, c'est déjà, on vit un film, on vit on vit quelque chose de... c'est déjà l'Alliance qui est là, qui a pris le relais. Alors, même si ça vous paraît étrange, tout ce qui se passe dans les hôpitaux et tout ça, c'est l'Alliance déjà qui a le pouvoir. C'est l'Alliance divine, hein. Oui, je l'appelle divine, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ça fait partie du nouveau plan. Et voilà, ça n'a rien de ce qu'on a connu avant. Hein. Voilà, on ne va pas nous la refaire à l'envers comme les autres. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose, une libération de notre bout de planète, parce que je dis bien, c'est un bout de planète. Voilà, au début, je rigolais de la Terre plate. Voilà, j'en rigole moins, parce que c'est vrai que... Voilà, bon, notre planète, elle est ronde, hein, c'est pas ça, mais je pense qu'on est dans une partie de la planète, hein. Ça, je l'ai déjà dit aussi, hein. Donc, oh là là, qu'est-ce qu'on nous a emmené en bateau, hein. Moi, je crois que c'est ça le pire. Ce qui est le pire, ce qui me fait le plus mal, c'est la trahison, d'être trahi, vous savez, on nous a menti. Alors, on va vite oublier, hein, on me le dit là, de la trahison. Faut pas, voilà, on me dit qu'il ne faut pas que j'en parle parce que c'est pareil, ça met des égrégores négatifs. Mais on va vite oublier après, quand voilà, on oubliera. Ce sera comme si on n'avait rien eu, vraiment. Hein, ok, parce qu'il n'y a pas de séparation de toute façon. Donc, c'est illusoire, hein, tout ce qu'on vit, je vous l'ai déjà dit. Oui, je vous donne de l'espoir parce que oui, c'est bien, tu me donnes de l'espoir, merci. Parce que ben, l'espoir, c'est votre création aussi, quoi. Créer des voilà, c'est bien que je vous donne de l'espoir, mais c'est une réalité. Mais vous, en même temps, il faut que vous soyez voilà comme moi dans cette création. On est tous pareils. Je suis pas plus que vous et vous êtes pas plus que moi. Mais c'est à vous de travailler, d'expérimenter ça. Moi, si je vous raconte ça, c'est que j'ai déjà expérimenté. Hein. Alors, voilà. Alors, donc... ah oui, l'avenir sans véhicule, très bonne question. Alors, l'autre jour, c'est bizarre, j'étais à côté de Besançon, à Roche-les-Beaupré, je faisais mes petites courses au Super U. Et je me disais, je posais la question, je partais du parking, j'avais fait mes courses et je dis quand est-ce que je vais vraiment vivre ce... Parce que moi, je suis comme vous, enfin, des fois, vu mon âge, je me dis, est-ce que je vais vivre
Voilà le changement. Est-ce que je vais voilà, c'est quoi, comment je vais circuler? Et là, je me suis vue une voiture qui est pas sur roue, hein, qui était comme en couleur cristal. J'étais dedans et c'était un peu en ovale, hein, quelque chose d'assez ovale. Et c'était mon véhicule, qui m'emmenait, qui se déplaçait. Mais il n'y avait pas forcément, c'était pas sur la route. Voilà, je pense que c'est voilà, c'est un autre moyen de locomotion. Et c'est rigolo que vous me parliez de voiture, parce que quand ils m'ont fait voir ça, donc j'étais dedans, et j'étais dedans comme si j'avais ma voiture, donc pour me dire, oui, tu vas le vivre, quoi. Et voilà, voilà ce que j'ai vu. Mais tout ça, tout ce que je vous dis là, ce qu'ils vont vous dire, c'est que ça existe déjà, c'est pas nouveau. On va pas passer dans des... refaire des recherches comme on a pu faire, enfin des recherches. Enfin, les nouveautés qu'on a eues, ça existait déjà, on nous les a données, hein. Faut pas rêver, voilà. Mais ce que je veux dire, tout est là. C'est comme s'il y avait un écran, on enlève l'écran et tout est là, hein. Donc, il n'y a pas à chercher comment on va vivre, comment on va partir. On va changer notre mode d'alimentation, on va changer. Voilà, on aura moins de besoins qu'avant, on aura des choses nouvelles. Mais ce sera que pour nous faire du bien, hein, voilà. Et pour nous aider aussi. Puisque comme on aura notre conscience, notre essence divine et nous, parce que là, véritablement, on n'a pas notre essence divine, hein, parce que quelquefois, puisqu'on vient dans notre conscience, nous mettre des choses dans la tête, donc on n'a pas notre essence divine, mais là, on aura ce qu'on est, notre corps de lumière, notre essence divine. Donc ce qui veut dire notre essence divine, c'est plein pouvoir sur l'amour qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Voilà. Alors j'aimerais qu'on partage cette vidéo, parce qu'en fait, finalement, tout ça, c'est très important. À chaque fois que je commence un direct ou une vidéo, je ne sais jamais, là, pour le coup, je ne savais pas quoi vous dire, mais c'est réel, hein, quand je vous dis tout ça, je suis canalisée, hein, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, voilà, hein. Donc, c'est quelque chose qu'on va vivre vraiment dans d'autres niveaux de conscience, hein, c'est ça, en fait, qu'on me dit, hein. Cherchez pas les 5D, les machins, c'est des nouveaux états vibratoires. Mais notre corps restera, on pourra le quitter, on pourra le rester dedans. La Terre, voilà, ce qu'on connaît de la Terre, ça sera nous, quoi. Hein? On va pas se transformer en E.T., quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si vous voulez un autre corps E.T., vous pourrez changer de corps, mais ils sont pas finis là-haut. Vous pourrez changer de corps, un corps E.T., hein, qui ressemble à je sais pas quoi. Mais voilà, vous pouvez aussi rester tant que vous êtes dans votre corps. Moi, je suis éclatée avec eux, des fois. C'est très. Ils sont à la fois sérieux, des fois, parce que des fois, ils me tapent sur les doigts. Voilà, quand je dis des choses qu'il ne faut pas, ou quand je dépasse. Il y a des choses, vous voyez, je ne suis pas dans le. Hop, je m'enlève de mon chemin. Et là, ils me disent, oh là, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Ils peuvent être très sérieux. Puis à côté de ça, ils sont barrés, quoi. Hein. Ils sont barrés, mais. Quand je vous dis qu'ils sont barrés, ils sont plein d'humour, quoi. Et voilà pourquoi je rigole des fois sur les, c'est quand ils me parlent, voilà. Alors, la pic-pic, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, tu réécouteras. Hein, on va pas rester là-dessus tout le direct, parce que moi j'annonce le bon, hein, donc je vous annonce pas les trucs, gna gna, machin, truc. Voilà, c'est la fin du monde, on va tous mourir, parce qu'il y en a qui ont sorti ça hein, quand même, qu'on allait rester 10 ou 20% de la population. Hein. Non, mais il faut déjà être taré pour sortir ça sur une vidéo. Hein. Elle est tarée, hein, la personne. Hein. Mais franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, elle est. Il y a un problème là, hein. Il y a un pet au casque. Hein. Franchement, c'est ça le problème, c'est que. Sans critiquer ce qui est dit, le problème, c'est que ça a un impact. Il y a des gens qui écoutent ça derrière et qui se disent, bah oui, non, je ne veux pas l'entendre, mais ils l'ont entendu quand même. Donc, c'est enregistré. Hein. Donc, c'est là le problème des gens qui disent tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment un souci, quoi. Hein. On m'a trouvé une. Alors attendez, ça va tellement vite là.
As-tu vu des ovnis? Ouais. As-tu vu des ovnis déjà? On va dire. Oui, bien sûr, les vaisseaux, mais vous pouvez en voir. Il y en a plein au ciel, il y en a plein partout. Prenez des photos. Il y a des photos partout sur le net. Hein. L'autre jour, on m'a demandé d'en prendre des photos. Mais souvent, je les vois, je suis en voiture. Donc je ne m'arrête pas de voiture pour descendre, mais j'essaierai de me balader. Que si je me balade et que j'en vois, je ferai un appel à qu'ils viennent et je prendrai des photos et je vous les mettrai. Mais vous pouvez en voir, hein. Alors. Omniconscient sans avoir besoin de la mémoire. Ça n'a rien à voir avec la mémoire, Roselyne, ta question. La question, c'est selon eux, Katia, est-ce que dans ce nouveau monde, nous serons omniscients sans avoir besoin de la mémoire? C'est pas très. D'abord, elle n'est pas claire, ta question, et ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question de conscience et de vibration. Voilà. C'est un état. Tu seras dans un état, et ton état de conscience qui sera pur et nature. Tu n'auras pas de personne qui engendra, qui va venir abîmer cette conscience. Voilà. C'est vers ça où on va, là. Hein. Vraiment. Hein. Coucou Sébastien. Oh, je te vois vite fait. Ouais. Coucou Seb. Ouais. Je t'appelle demain. On devait s'appeler Sébastien. Qui vend des orgonites. Hein, si vous voulez des belles orgonites avec Sébastien. Et j'en ai une autre aussi. Sébastien, il y a quelqu'un d'autre. Je suis obligée d'en parler. Voilà, ça c'est pas Sébastien, mais Sébastien il en fait aussi des comme ça. Hein. Celle-là elle vient de Jackie, une vie en plus, qui est une chaîne YouTube. Hein. Donc elle m'a offert une pyramide comme ça, elle les fait très bien. Vous allez sur son site, elle est médium aussi. Hein. Et elle les vend hein, sur son site, elle vend beaucoup, beaucoup d'orgonites. Hein. Donc ça c'est une petite que j'avais, j'ai une grande aussi, je vais acheter une grande. Hein. Et voilà, j'adore les orgonites et j'en ai plein à l'appart. D'ailleurs, comment Sébastien, je vais te redemander. Tu as fait des nouvelles là qui me plaisent bien. Et je vous conseille d'avoir des orgonites chez vous. Vraiment, ça fait du bien aux énergies. Hein. Vraiment, voilà, j'adore ça en plus. Hein. C'est comme le coiffeur ou les fringues. J'adore les orgonites. Hein. Bon, j'en achète pas autant, mais j'en ai pas mal maintenant. J'essaie d'en avoir dans toutes les pièces. Hein. Voilà. Alors, donc les orgonites, c'est Jackie, une vie en plus. Elle a une chaîne YouTube, d'ailleurs, elle fait des vidéos. Hein. Je te salue, Jackie. Je te fais de gros bisous. Il faut que je t'appelle aussi, je ne t'ai pas appelé. Voilà, des fois, je suis fainéante pour appeler, je n'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que va l'école? Va exister encore? Alors, l'école, ça va être différent. Ça va être un. Il va encore y avoir beaucoup d'éducation, mais il y a beaucoup de liberté. Les gamins ne sont pas obligés, ou les jeunes adultes, hein, ne sont pas obligés d'aller en cours le matin à 8 heures. 8 heures, voilà. Non, on n'est pas obligé d'aller en cours. Voilà, ça sera libre, hein, ça sera un monde libre. Et on n'apprendra pas forcément des conneries. Hein, parce que tout ce qu'on a appris là, au jour d'aujourd'hui, alors, j'ai perdu une personne sur Discord et ça me fait très mal au cœur parce que j'espère qu'elle m'entend. Elle m'a incendiée parce que sur Discord, j'ai rigolé un jour en disant tout ce qu'on a appris sur Terre, ça ne nous servira à rien. Et elle l'a très mal pris parce que cette personne a fait des études hein, et elle a pris ça pour elle, que je me moquais d'elle et c'est n'importe quoi. Donc, Soso, hein, je t'appelle Soso, c'est dommage, mais je t'ai prévenu et je t'ai banni du Discord. Voilà, et je sais que ça va te priver parce que tu aimais bien venir, mais là, c'est n'importe quoi. Et donc, je ne dis pas ça pour les gens qui ont fait des études. Hein. Je dis tout simplement que tout ce que vous avez appris et étudié, ça ne vous servira à rien au niveau de ce qui vient du nouveau savoir, hein, parce qu'on va apprendre des nouvelles choses. Hein. Et tout le monde apprendra la même chose, n'est-ce pas? On ne va pas passer des heures sur le truc. On apprendra facilement et voilà, on ne sera pas là à réciter, à copier, réciter, à apprendre du par cœur. Mon Dieu, quel esclavage. Mais je pense à des gens qui ont fait des études comme, je sais pas, des grandes études qu'ont fait, comment dirais-je, les médecins, les avocats, bah, toutes les grandes que je glorifie, hein, notamment. Hein. Moi, j'aurais aimé faire des études quand même. Hein. J'en ai pas fait, bon, voilà, ça s'est pas fait. Mais voilà, j'honore ces professions-là. Mais je veux dire, c'est très dur, quoi. C'est une concentration, c'est. Voilà. Et c'est bête, quoi. C'est bête. Ça sert à rien. Pas pour moi, dans le monde où on vient,
où on va, je veux dire, pardon, ça ne nous servira pas, quoi. Hein. Tout ça, c'est de la lumière inversée, c'est de la 3D. Alors ça, pour expliquer ça aux gens, bah, les gens, il faudra qu'ils le prennent bien, hein, parce que on est presque 1000, hein, mon direct. Hein. Waouh! On est passé à 1000 tout à l'heure. Hein. Mais je pense qu'on est plus que ça. Hein, mais bon, moi, ça m'impressionne toujours, parce que je me dis que si j'étais dans une pièce et vous êtes 1000, 1002 là, et il y a 1000 personnes devant moi, je serais toute folle. Je serais toute folle. J'ai un... Bon, ceci dit, j'ai une salle, en parlant de salle, j'ai une salle sur Lyon. Quelqu'un m'a trouvé une salle. Donc, je pense que je ferai les réservations sur mon site, hein, mais ce n'est pas mis en place. Dès que le pass sanitaire sera levé, je réserve cette salle. Peut-être que je la ferai je ferai en deux fois, s'il y a du monde, ou une fois déjà. Et on verra pour... voilà. Mais ceci dit, je vais commencer aussi à me déplacer. Donc Lyon, c'est déjà prévu. Hein. Alors, est-ce que ça sera avant le voyage en Espagne ou après? Je ne sais pas. J'essaierai de voir ça, de le faire avant. Mais voilà, parce que j'ai beaucoup de gens dans ma communauté sur Lyon. Hein, donc, bon, j'en ai partout, hein, mais voilà, je voulais vous dire ça. Donc, j'ai trouvé la salle. Hein. Alors, Lyon, oui, Lyon, j'adore cette ville, Lyon. Hein. À partir de quand? Il n'y a pas de date. La santé, c'est vital, s'il te plaît. Il n'y a pas de date. Voilà. N'attends pas. Vis tous les jours comme si on était dans le nouveau déjà. Hein. Ça sera déjà pas mal. Hein. Alors. Et à Pau, ben, Pau 60, je connais très bien Pau aussi. Voilà. Pas tout de suite. Hein. Je peux pas. J'ai pas les finances déjà pour me déplacer. J'ai pas l'organisation, je sais pas comment, voilà. Bon, là, à Lyon, je sais qu'il y a des gens qui vont m'aider. Après, dans les autres villes, ben voilà, j'ai pas une équipe derrière moi pour m'aider à me déplacer dans les autres villes, quoi. Alors, ouais, c'est très beau, Pau, Elisabeth, j'aime beaucoup. Oui, sur la salle de Lyon, de toute façon, je vous le dirai, ça sera sur mes... Mon site, ça sera, je vous ferai une vidéo sur YouTube pour voilà, hein. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Alors, en Tunisie, ouais, je suis pas allée en Tunisie. On me dit Tunisie. Je connais bien le Maroc, mais je ne suis pas allée en Tunisie, mais pourquoi pas, hein. On verra après, de toute façon, je peux vous dire que quand on va sortir de ce merdier. On fera beaucoup de choses. Hein. Moi, je vois beaucoup les gens voyager, beaucoup dans les consultations. Je vois beaucoup les gens qui vont voyager, qui vont bouger, qui vont. Voilà, ça va vraiment être bien pour ça. On va être libre. Hein. Mais là, vous vous rendez compte, on est cloué là sur place. On peut pas bouger, on peut plus rien faire, quoi. C'est quand même terrible, ça. Hein. C'est terrible, je trouve. Hein. Alors. Voilà, que les astrologues annoncent que ça va swinguer au niveau des planètes. Oui, mais swinguer peut-être dans le bon sens, hein, moi je veux bien, mais bah, les énergies déjà, je trouve que ça bouge pas mal, hein, on est quand même bien secoué. Après, ça swing déjà, hein, j'ai envie de dire. On va pas non plus nous écrabouiller, nous presser comme un citron, hein. Donc, on va continuer à vivre, hein. Alors, l'an prochain, nous comptons partir en Albanie. C'est très beau l'Albanie aussi, hein. Ouais, Véronique. Ouais, il y a des pays comme ça. Ouais, c'est très très beau l'Albanie. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions que j'ai pas vues peut-être? Parce que là, ma framboise n'est pas là. Bon, je n'ai pas appelé, je ne l'ai pas embêtée. En plus, elle est à l'école demain. Tu m'as menacée tout de suite. Alors, Sophie. Oui, mais tu n'aimes pas le dialogue, ni le droit de discuter. C'est Sophie qui me répond calmement. Tu me menaces tout de suite sans discuter. Je ne t'ai pas menacée, Sophie. Alors, ce n'est pas un règlement de compte, mais tu m'as très mal parlé sur Discord. Il y a une réglementation sur Discord. Voilà, on est. Voilà, et tu m'as très, très mal parlé. Donc, écoute, de toute façon, Sophie, voilà, c'est comme ça. Je t'ai prévenu. Voilà, c'est. Voilà, alors, c'est pas. Je ne sais pas. J'aime pas ça, j'aime pas surtout toi. Voilà, je voulais m'occuper de toi parce que, avec tes soucis de santé et tout, voilà. Mais bon, voilà, faut pas trop me chercher non plus, hein.
parce que tu me trouves. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? À Marseille, oui, Stéphanie. Elle me demande si je vais venir à Marseille. Oui, je viendrai à Marseille aussi, ça c'est sûr. Parce que déjà, j'ai mon amie à Marseille, hein, qui est là-bas, que j'adore. Bonsoir, je vais prendre direct en cours de route. Ok. Voilà, bah écoutez, ça fait 1 heure que je suis avec vous. Il y en a qui arrivent là sur. Ouais. Donc, de toute façon, dans ce direct, Sophie Stoll, non, non. Alors, est-ce que c'est encore toi, Sophie? Alors, François, Clermont-Ferrand aussi. Alors, Clermont-Ferrand, c'est pas très loin de chez moi. Je connais aussi Clermont-Ferrand. Alors, je ne vais pas trop parler des picouzes. Alors, il y a trop de gens qui en parlent. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les médecins, il y a les professeurs. Moi, je ne suis pas une spécialiste des picouzes. Je trouve déjà, on en parle beaucoup. Bon, c'est normal hein, qu'on en parle. Mais voilà, je pense qu'il faut mettre de la lumière là-dessus aussi. Voilà, de ne pas trop vous questionner. Alors, je sais que ça vous inquiète. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, il y a des âmes qui ont décidé de partir. Ça, c'est certain, hein, dans ce chamboulement, dans ce changement de vie, ce changement de dimension. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que, voilà, il y aura des solutions pour les gens qui sont picousés, ok? Et même pour les gens qui ont des maladies, même, voilà. Tout ça, ce sera, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de. Non, mais vraiment, il n'y aura plus de maladies comme on connaît. Hein. Ça n'existe pas, la maladie, sur les autres dimensions. Je le dis, je le répète, ça n'existe pas. Hein. Alors, essayez de noter aussi quand vous avez un problème de. Essayez quand même quand vous pensez. À ces picouzes, de mettre de la lumière dessus. Hein. Vous pensez au produit, vous mettez voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Voilà. Et là, voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose de, comment dirais-je? C'est quelque chose d'important. Voilà. Même sur le produit, même quand on vous en parle, vous entendez une vidéo là-dessus, mettez des bonnes pensées, vous allez. Mais ça marche! Ça, c'est. Si vous saviez, c'est mieux que le fric. Hein. Ça vaut tout l'or de la terre, votre pensée en bonté. Pensez bon, pensez amour, pensez lumière. Ça c'est de l'argent. C'est mieux que l'argent. Hein. C'est beaucoup mieux. C'est même pas comparable à l'argent. Mais voilà. Cultivez ça, ce que je vous dis. Hein. C'est vraiment. Je sais parce que tout ce que je peux vous dire, je l'ai. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté, tout ça, tout ce que je peux vous dire en même temps. Hein. Et puis bon, là-haut, ils m'ont aidé aussi. Hein. Voilà. Donc, sachez bien qu'il y a on a nos amis qui sont là. Hein. Il y en a qui sont déjà sur Terre. Hein. Il y a des êtres de lumière qui sont déjà sur Terre. Il y en a qui sont dans les vaisseaux. Donc, tout ça, c'est. On est vraiment protégés. Parce qu'il y a longtemps qu'on serait mort. Je vous le dis, les amis, hein, on est très, très protégés. Même sur les saloperies, les contrails qu'on nous envoie et tout, on est très protégés. Hein, voilà. Et moi, je vous le dis parce que c'est pareil, j'ai vécu des choses anormales, hein, des choses, c'est même pas vivable. Hein, et voilà, j'étais protégée. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis sûre de ce que j'avance. Et on garde, malgré les inondations, les choses qui se passent dans les pays, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui se passent sur les gens, il y a des gens qui doivent partir. Ça, moi, je ne peux pas l'éviter. C'est leur plan d'âme, c'est des gens qui doivent partir pour différentes raisons. C'est que, voilà, mais tout le monde ne va pas partir. D'accord? C'est vrai qu'il y a des pays, moi je trouve que ça se passe pas trop mal que ça, quand on se renseigne bien, quand on voit bien, il y a plus de grosses guerres, il y a plus de. Voilà, il y a des choses quand même qui se mettent en place
Mais voilà, moi le mieux, ce qui sera le mieux, c'est quand on va virer ces médias, ou qu'on aura des nouveaux médias, merdias, qui seront, voilà, qui seront positifs, qui seront, voilà, et qu'on vous amènera ça, tout ça gentiment, et qu'ils vont divulguer la vérité, là, ça ira mieux, déjà beaucoup mieux, parce que ça c'est le nerf de la guerre, hein, ça fait beaucoup de mal, hein, aux gens, ça démolit les gens, quoi. Mais voilà, c'est pire qu'une arme, hein, c'est pire qu'une arme, hein, parce que l'arme, ils ont été dans la conscience des gens et copier-coller et faites ce que je dis, et voilà, c'est ça qui a fait du mal, parce que le reste, voilà, ça, de toute façon, c'est comme dans ce qui s'en vient, c'est plus possible. D'une façon, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous pensez, parce que vous ne pourrez plus le faire. Pensez mauvais, critiquer, comme je vous dis souvent, je vois les réseaux sociaux, ça critique. Faites attention à ce que vous écrivez, hein. Voilà, parce que ça va vous revenir dans les gencives, hein. Ça, c'est sûr, hein. Alors, pensez à mettre des petits pouces, pensez à partager, pensez à vous abonner aussi, hein. C'est hyper important pour moi. Voilà, et puis ben, je pense que je vais arrêter cette petite vidéo. Ouais. Alors, je suis aussi le blog de la table ronde. Il y a beaucoup d'informations. Oui, la table ronde. Oui, il y a des articles qui sont bien. Il y a longtemps qu'ils sont là. Alors, voilà, mais écoutez les amis, ça fait 1 heure à peu près. J'essaierai de vous refaire des petits directs comme ça. C'est vrai que je pourrais en faire plus parce que vous aimez bien et ça fait du bien. Mais bon, je le fais quand je suis en forme, quand je le sens bien. Voilà, je peux pas. Puis, si je faisais un direct tous les jours, ça serait, vous en auriez marre de me voir, hein, honnêtement. Ce serait pas. Voilà. Alors, je vous embrasse, mes amis. Donc, pour les rendez-vous, bah, vous avez mon site en dessous de la vidéo. Merci pour vos dons. Et puis, voilà, je vais revenir rapidement. Je vais faire les questions sur réponses à vos questions personnelles. Là, je vais en faire une, hein. Au début de semaine, voilà. Je me suis rechargée. De toute façon, moi, ce que je fais souvent, je me recharge beaucoup entre les vidéos. Voilà. Je ne fais jamais une vidéo si je suis fatiguée, si je suis à plat, si je ne suis pas bien. Voilà, là, je vous fais une vidéo parce que je suis en forme. Voilà, et ça. Voilà, c'est hyper important, hein. Voilà, je veux pas vous faire une vidéo si je suis bof bof. Voilà. Je vous embrasse, les amis. Je vous envoie plein d'amour. Et pour mes rendez-vous, bah, prenez rendez-vous sur mon site. Hein, et je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et puis, on garde le cap, hein, d'accord? On garde le cap surtout. Hein, mais c'est vous qui construisez le monde de demain. Hein. C'est nous tous là, c'est vous, c'est nous tous. Et faites attention à votre conscience, hein, à votre mental. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Ok? Je vous embrasse tous. Au revoir, à bientôt. Bisous, au revoir.